Bon, c'était fun. Dites, vous êtes prise ce soir? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr, vous avez un combat à mener. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais? Comme quoi? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles? Alors, non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci, Spider-Man. Merci pour tout. Même pas en rêve. Ouais, non. Bien sûr. Dites, vous voulez bien me déposer en ville? Non, je sais nager, hein, mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois, alors... Mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici. Tu viens manifestement de loin. D'où viens-tu? J'ai tellement voyagé, cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache. Mais le monde grec fut mon foyer, autrefois. Je suis venu chercher un artefact ancien, qui cause de nombreux problèmes sur cette île. Tu parles des cauchemars? Une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause. Cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi, elle devrait peut-être arrêter les champignons. Ainsi, tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres? J'ai vu ces gens s'entretuer, pris de folie et en proie au manque de sommeil. C'est l'artefact que je cherche qui en est la cause. En temps normal, je l'aurais déjà trouvé, mais ce brouillard rend la tâche, disons, difficile, presque impossible. Si une banale malédiction t'arrête, comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves? Une malédiction? Tu connais bien les secrets de cette contrée, on dirait. Je... Il y a de la beauté dans ces ténèbres. Le blanc. Si seulement ma jumelle pouvait disparaître aussi vite que la tienne. Même si Kale le désire plus que tout, je ne disparaîtrai pas. Étrange. On dirait que cette terre ne change jamais. Regardez ce que vous m'avez fait faire! Ceux qui portent une armure craignent la mort, Garen. Et c'est une sacrée armure que tu as là. Mes ailes sont liées, mais mon âme est libre. On y est? On est arrivé. À quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? Qu'est-ce que je recherche? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça, à tous les coups. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre.
J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. On se voit à ton retour. Ton corps n'est décidément pas normal. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Et toi, tu essaies de me l'enlever. Je prendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés! Non! Thank you.